l'arbre généalogique de notre prochaine candidate, un gène s'est immiscé et c'est celui de la musique. Oui, alors c'est ce qu'on dit, Julie. On s'est tenté de dire que là où il y a de la gêne, il n'y a pas forcément de plaisir. Et pourtant, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille la petite fille d'un immense artiste africain. Repêchée de justesse, elle va devoir donner raison au jury ce soir. Voici Nsona. J'avais les larmes aux yeux. J'étais super contente parce que tout le monde était pour le jury aussi et pour un bail surtout. T'as touché le morceau et le seul tout public qui s'est levé après. Tu as un talent fou. Bien sûr que c'est un grand oui. Et je suis chanteuse. Dès que je suis assise tranquillement chez moi, une demi-heure après, il faut que je chante. Mon grand-père, c'est pas grand-père. C'est un chanteur très très beaucoup mieux. Et tout le temps derrière moi aussi, il a un interminable en fait. On dit que je chante parce que mon grand-père chante. Mais moi, j'ai juste envie de dire que dans Belgium Got Talent, c'est une seule bonne. Et non, papa bonne. Pour cette demi-finale, j'ai beaucoup travaillé. Faut que je répète ma chanson, faut que je sache ce que je dois faire, ce que les gens veulent. C'est toujours la question de vous. Alors, je suis confortablement installée auprès de notre public, mais plus particulièrement auprès de la maman d'Elsona, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors, de savoir que votre fille est sur scène, que dans quelques instants, ça va être à elle. Qu'est-ce qu'une petite maman se dit, là, maintenant? J'ai dit à ma fille qu'elle donne tout, comme dit son papy. Oui, je pense qu'elle va le faire. Hein. Alors, dites-nous aussi, il paraît que la prestation donc, de votre fille, Nsona, a fait vraiment du chemin jusqu'à Kinshasa. Il paraît que ça a cartonné, que vous avez regardé, c'est ça, sur YouTube ou... Oui, j'ai été surpris moi aussi. Donc, c'est-à-dire que la télévision, les chaînes de télévision congolais, ils ont pris l'image sur Internet. Hein, donc, ils ont rediffusé partout. Alors, on était vraiment surpris et c'est magnifique. Ouais. C'est génial, c'est un événement, c'est une star déjà, Nsona. Bah. Oui, je pense. Mais oui! Détendez-vous quand même, détendez-vous parce que, bon, on va être honnête, ce n'est pas Beyoncé, nous ne sommes pas au Super Bowl, mais. C'est Belgium's Got Talent, et c'est live, voici Nsona.